Les véritables salaires minima, au-delà donc des simples prestataires pour l'administration publique, ils datent de 1896. Les premières formes sont apparues en Australie, hein, dans l'état de Victoria à l'époque, où on a mis en place ce qu'on appelait les trade boards, hein, qui étaient des conseils d'industrie, les trade au sens de industrie métier. Au départ, dans un nombre assez limité, je crois que c'était 4 ou 5, c'était des comités composés à la fois de représentants salariés et du patronat et qui devaient fixer un minimum qui avait force un peu de loi dans l'industrie concernée. La Nouvelle-Zélande aussi a assez vite a mis en place un système, mais plutôt avec des conseils juridiques de conciliation, mais qui faisait aussi respecter des mineurs. Et dans les grands pays européens, c'est la Grande-Bretagne qui, en 1909 aussi, sur le modèle de l'Australie, a mis en place des trade boards dans certaines industries. Le monde ouvrier commence à se mobiliser dans un contexte de marchandage, mais en essayant de retraduire cette dimension-là vers une rémunération au temps. C'est un des enjeux qui émergent dans les mines, par exemple avec la fameuse convention d'Arras en 1891, qui est en fait un procès-verbal de conciliation entre le préfet et les mineurs du Nord-Pas-de-Calais. On a un texte qui va cadrer un revenu quotidien moyen en fonction du nombre de tonnes de charbon extrait. Hein, donc, quelque chose qui est un petit peu à mi-chemin entre la rémunération à façon à la pièce au marchandage et puis une rémunération au temps. Dans les mines, on a une forme de marchandage, hein, qui perdure très longtemps. C'était le cas à Carmo. Hein. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le salaire au temps est aussi ancien que le salaire en pièces. On a des documents qui datent du XIVe siècle, et qui montre que, par exemple, pour les constructions des cathédrales, il y a sur les mêmes chantiers des ouvriers qui sont payés à la pièce et des ouvriers qui sont payés au temps. Et que parfois même, les mêmes ouvriers, des maçons ou des tailleurs de pierre, peuvent, quand ils sont en maçonnerie ou quand ils sont en taille de pierre, être payés à la tâche. Mais parfois, il y a des travaux plus simples de fondation qui en nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, et eux-mêmes peuvent y participer, et à ce moment-là, ils sont payés au temps. Alors ce temps, c'est pas l'heure, c'est la journée, c'est la semaine, ça peut parfois être le mois, même déjà, à cette époque-là. Et c'est vrai aussi au XIXe siècle. Dans les usines sidérurgiques, dans les verreries, dans les usines de céramique, sur les chantiers de bâtiments du XIXe siècle, et beaucoup d'autres, on a des ouvriers qui sont payés à la tâche et d'autres qui sont payés au temps. Alors, généralement, ce sont les travaux les moins qualifiés, les plus simples, qui sont payés au temps. Les employeurs se méfient du travail au temps parce qu'il nécessite une surveillance. Alors que dans le cas de la tâche, plus vous abattrez du travail et plus vite vous gagnerez votre rémunération, si on est payé au temps, on peut prendre son temps. Alors, c'est vrai aussi dans les mines. Il y a un cas que je cite souvent, à la compagnie des mines de la Loire, dans la région de Saint-Étienne. Quand on tombe sur des tailles difficiles, on paie les mineurs à la tâche. Et puis, quand la taille est facile, on les paie à la journée. Ça, c'est la compagnie qui le décide. Donc, le travail au temps est un mode de rémunération aussi ancien que le travail à la tâche. Et ce qui se passe
au XXe siècle, avec les lois sociales, et en particulier les lois qui soit instituent un salaire minimum, soit fixent une durée journalière du travail, à ce moment-là, il faut établir une équivalence entre ce que l'on gagnait en travaillant à la tâche et le temps limité de la journée ou de la semaine, quand ça sera pour les 40 heures, ou à la journée, quand ça sera la loi des 8 heures en 1919. Et donc, il faut établir des équivalences, et du coup, on est amené, même quand on est rémunéré à la tâche, à transcrire cette rémunération à la tâche en temps moyen d'exécution. Le mode de rémunération des ouvriers dans les usines Renault était soit aux pièces, ou du moins à la productivité individuelle, soit à l'heure. Dans le premier cas, c'était des ouvriers qui fabriquaient des pièces, à l'unité ou en nombre, mais qui fabriquaient des pièces. Et à l'heure, c'était plutôt des ouvriers qui étaient engagés sur des chaînes d'assemblage des véhicules ou des organes mécaniques. C'est-à-dire dont le travail était enchaîné et dépendant des ouvriers qui étaient avant eux et de ceux qui pouvaient être après eux. Donc la notion de production individuelle n'avait pas grand sens. Par contre, des ouvriers et des ouvrières qui devaient fabriquer sur des tours, sur les fraiseuses, des pièces, pouvaient être payés en fonction du volume de leur production ou du temps passé à leur production. La première grande grève de Renault avait été en début 1913, la grève contre le chronométrage, que Louis Renault avait voulu imposer après un voyage qu'il avait fait aux États-Unis où il avait découvert les méthodes préconisées par Taylor. Il a tenté de les appliquer à Renault avec un succès très inégal parce que la philosophie de Taylor, qui était de fractionner le travail ouvrier complexe pour en faire des opérations élémentaires, suppose enfin un certain nombre de conditions. Déjà, que l'organisation de travail soit maîtrisée par les gens qui sont extérieurs à l'atelier, donc des bureaux de méthode, d'une part, donc avoir une bonne connaissance des conditions et des contraintes du travail qui est demandé, que les ouvriers disposent de bons outils de production, de bonnes machines, et ces conditions n'étaient pas remplies, c'est-à-dire que les contremaîtres même se plaignaient du fait que les ouvriers disposaient de machines vétustes, mal entretenues et de l'outil peu adapté. Et le savoir-faire productif était quand même au niveau de l'atelier et des ouvriers, même lorsque ceux-ci étaient réputés peu qualifiés. La maison Renault se différencie des autres maisons d'automobiles par une organisation intérieure qu'on ne trouve guère ailleurs. Ici, une classification est faite parmi les travailleurs répartis en deux catégories. Professionnels et non professionnels, ces derniers de beaucoup les plus nombreux. La sélection s'opère dès l'embauchage à l'aide d'un essai auquel est soumis le postulant. Essai non payé, naturellement. Si l'essai est favorablement apprécié, le postulant est classé dans les professionnels. S'il est mauvais, c'est dans les non professionnels qu'il est admis. Les non professionnels sont dressés par les chefs d'équipe qui les initie au mouvement de la machine, installe l'outillage, dispose les montages dans lesquels s'adapteront la pièce à usiner pour subir, dans leurs diverses phases, toutes les opérations nécessaires. On comprend la suite. Travaillant toujours les mêmes séries de pièces, à force de répéter les opérations pendant des mois, des années même, l'ouvrier acquiert une habileté, une dextérité extraordinaire. Le dernier obstacle était que l'organisation du travail par un bureau de méthode dessaisit la hiérarchie d'atelier d'une partie de leur pouvoir. Et donc, les contremaîtres n'étaient pas forcément moteurs dans la mise en place du chronométrage. La mise en place des chaînes, qui est associée au souci de rationalisation de la production, se fait très progressivement. Dans les années 20, les premières chaînes, en fait, sont des chaînes où les ouvriers poussent des voitures d'un poste à l'autre manuellement. On a une matrice qui se met en place, la matrice du contrat de travail, qui ne résout pas d'un seul coup l'ensemble de la condition des travailleuses et des travailleurs, mais qui s'étend
progressivement, hein, et qui va se diffuser jusque vers les travailleurs à domicile tout au long des 30 premières années, voire des 40 premières années du XXe siècle. Ce mouvement, qui est un mouvement que la guerre a encouragé avec toutes les innovations techniques qu'elle a poussées, hein, dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine par exemple du blindage, des chars d'assaut que met au point Renault, eh bien c'est une situation qui n'abolit pas la très grande dispersion de l'activité productive initiale. Et donc on a une part importante de travail à domicile qui demeure au début du XXe siècle. On parle des travailleurs isolés, on parle de sweating system. D'ailleurs, l'un des objets des juristes qui mettent en place un projet de loi sur le contrat de travail, c'est précisément de trouver les moyens de régler la condition de ces travailleurs à domicile, essayer de les ramener vers un employeur, de concevoir un employeur, même pour une couturière, par exemple, qui travaillerait à domicile. Et l'un des objets des législateurs sur le contrat de travail, c'est précisément de faire en sorte que le contrat de travail ne se limite pas à une législation industrielle, comme la législation de fabrique qu'on trouve en Grande-Bretagne, pour les entreprises mécanisées qui regroupent beaucoup de travailleuses et de travailleurs, qui sont rares dans la France de l'époque, mais en faisant en sorte que ce contrat de travail puisse rayonner vers les travailleurs à domicile. Il y a une revendication des conventions collectives de la part du mouvement syndical, et là aussi dès la fin du 19e siècle. Alors c'est vrai que la CGT repousse par deux fois, en 1906 et en 1910, le projet de loi sur les conventions collectives. Mais c'est pas tellement parce qu'elle est contre les conventions collectives en elles-mêmes, elle est contre le fait qu'un projet de loi les impose. Parce qu'elle craint que ce projet de loi, tout en accordant aux syndicats le droit de conclure des conventions collectives et tout en reconnaissant la valeur juridique des conventions collectives conclues par les syndicats, exige des syndicats des contreparties. Et c'est pour ça que les militants cégétistes, ceux qui en tout cas prennent parti pour la convention collective, préfèrent que les conventions collectives découlent de la puissance syndicale qu'elles sont censées manifester. D'ailleurs, les syndicats eux-mêmes, hein, Samuel Gompers, qui était le président de l'AFL, l'American Federation of Labor, pendant près de 40 ans, Samuel Gompers était tout à fait opposé au salaire minimum. Hein, parce que sa crainte, c'était, si l'État commençait à instaurer un salaire minimum, c'était risquer l'intervention étatique dans la fixation du salaire, au-delà du salaire minimum, ça les syndicats n'en voulaient pas. Et sa crainte, c'était aussi que ce salaire minimum devienne un maximum. C'est-à-dire que les entreprises qui étaient capables de payer plus que ce minimum prennent ce minimum fixé par l'État comme un point de référence et donc se contentent de donner ce minimum. Ça, c'était la crainte des syndicats. Et puis, le grand argument, c'était de dire, mais si c'est l'État qui fixe un minimum de salaire, à quoi servent les syndicats, en fait, hein? Donc, c'était la crainte d'éviction des syndicats et de la négociation collective. Donc, une opposition assez farouche, notamment des syndicats américains, au salaire minimum et qui va perdurer jusque dans les années 30. Il y a des emplois qui sont permanents et il y en a d'autres qui sont fluctuants. Il y a des emplois permanents, les employés, les bureaux et l'encadrement. Là, c'est un personnel qu'il s'agit de fidéliser. On va les embaucher sur une longue période. Ça peut être le cas des ouvriers les plus qualifiés, qu'il s'agit de ne pas perdre, même si l'activité diminue, on va les conserver parce qu'ils sont vraiment très utiles et on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. Donc ceux-là, on va les embaucher pour des périodes relativement longues. Dans certains cas, au début du 19e siècle, ça pouvait être 10 ans, mais un an. Et puis, il y a le tout venant des salariés. Ceux qu'on embauche quand on a besoin, quand l'affaire marche bien, à ce moment-là, c'est le personnel qui va servir de variable d'ajustement. Et donc, c'est celui qu'on embauche au jour le jour. Et qui forme les gros contingents de ce qu'on appelle les journaliers. Parce qu'ils sont embauchés à la journée et ils sont payés à la journée. Au XXe siècle, ces choses se sont transformées, atténuées, mais n'ont pas complètement disparu.
En Allemagne, il y a eu aussi un débat sur le salaire minimum, notamment en 1909 au Reichstag, à l'Assemblée d'Allemagne. Et ce débat aussi a beaucoup porté sur le travail à domicile, en fait. Donc il s'inspirait du débat qui avait déjà commencé en France, et puis avec en référence aussi la loi des Trade Boards qui a été adoptée en 1909 au Royaume-Uni. Et finalement, l'Assemblée s'est prononcée contre, en fait, avec deux arguments. Le premier, c'était que introduire toute forme de salaire minimum pouvait nuire à la compétitivité des produits allemands. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, en fait, l'Allemagne jouait beaucoup sur ce qu'on appelle aujourd'hui la compétitivité prix, c'est-à-dire que les produits allemands avaient un peu la réputation des produits chinois il y a encore une quinzaine d'années, c'est-à-dire des produits industriels à bas coût, mais d'une qualité un peu plus basse aussi. Donc l'Allemagne jouait beaucoup sur cet avantage concurrentiel. Et le deuxième argument avancé par les députés allemands, c'était de dire que c'était vraiment aux partenaires sociaux de négocier les salaires. Donc ça renvoie justement à la question des négociations collectives. De même que les employeurs se méfient du travail au temps parce qu'il exige une surveillance et donc un coût supplémentaire, de même pour les salariés, la revendication d'un salaire au temps est aussi vieille que le mouvement ouvrier. Il y a dans les grèves à Paris dans les années 1840 une revendication qui court d'une profession à une autre qui est celle d'exiger d'être payé au temps. Il y a à cela plusieurs raisons. D'une, parce que ça peut permettre de fixer un salaire journalier qui permet de vivre et ça permet de contenir la durée du travail. Et puis, d'autre part, parce que ce travail au temps, en quelque sorte, il solidarise le groupe ouvrier face à l'employeur. Alors que le salaire à la tâche, il met les équipes en compétition, ou il met même les individus en compétition les uns avec les autres. Les ouvriers à domicile maintenant, est-ce qu'il y en a encore comme vous, qui travaillent comme vous? Peut-être encore une dizaine, peut-être. Même pas. En tout, à l'usine des métiers à main, si vous trouvez 50 métiers comme ça, dans tout Romilly, au lieu de 1000 ou 1500. 1000 ou 1500 quoi? Ben dans le début, ça marchait bien. En 1925. Oui. En 1925, il y avait encore à peu près 1500 métiers à main à Romilly. Romilly et les environs, parce qu'il y a beaucoup qui venaient chercher leur travail à Romilly et qui partaient dans les environs. Et travaille-t-on encore à la campagne? Ah non. C'est fini. Non, c'est Romilly et il n'y a plus grand-chose. La France va être un peu en retard par rapport aux expériences d'une part de l'Australasie, comme on disait, c'est-à-dire de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, et puis du Royaume-Uni et des États-Unis, mais elle va s'inspirer, elle regarde beaucoup ce qui se fait à l'étranger. Comme je le disais, à l'époque, le débat était très internationalisé, c'est-à-dire que dans les débats parlementaires, par exemple, français ou anglais ou allemand, on faisait référence au débat parlementaire des autres pays. En France, c'est seulement en 1915 que l'on va adopter une première forme véritable de salaire minimum, mais qui sera restreinte simplement au travail à domicile, et donc qui concerne très majoritairement des femmes travailleuses à domicile en 1915. Dans la loi de 1915 concernant les couturières à domicile, qui sont d'ailleurs mobilisées pour la réalisation d'uniformes et qui travaillent par exemple à Paris dans des maisons de couture, dans des ateliers, avec aussi des formes de reversement de l'ouvrage, de sous-traitance en cascade, jusque à des ouvrières qui travaillent seul dans des mansardes, en ayant d'ailleurs une réputation assez sulfureuse d'ouvrières qui n'ont pas suffisamment de quoi vivre de leur travail, qui auraient tendance à se prostituer occasionnellement, enfin selon une lecture patriarcale du monde qui à l'époque était très courante, que l'on trouve de manière absolument incroyable dans les journaux, et donc des ouvrières qui sont présentées comme étant extrêmement exploitées. On en trouverait d'ailleurs un écho dans le Capital lorsque Marx évoque le meurtre d'une jeune ouvrière couturière qui, rapportant de l'ouvrage chez elle, meurt dans sa mansarde dans une période de presse, en travaillant jour et nuit sans
sans jamais se reposer. Donc on a des situations qui sont analogues un peu partout dans les différentes villes du monde. Beatrice Webb, la grande socialiste britannique, s'en émeut également. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi, elle est portée par le parti chrétien, enfin catholique en fait. C'est Albert Demain, le député, qui est le chef de file des conservateurs catholiques, mais relativement éclairé à l'Assemblée nationale, qui va porter cette loi. Elle sera votée donc finalement en 1915, et elle établit que les femmes travailleuses à domicile ne peuvent pas avoir un salaire inférieur au salaire de référence qui est fixé pour le même type de travail, avec à peu près les mêmes niveaux de productivité dans les ateliers, dans les industries en fait. Donc c'est plutôt une loi qui essaye de mettre à niveau le salaire des femmes travailleuses à domicile et de le mettre au même niveau que les femmes qui sont dans les entreprises industrielles. Il faut garder en tête que à l'époque, les femmes dans pratiquement toutes les entreprises et dans tout ce qui était des conventions collectives, les femmes avaient des salaires inférieurs à ceux des hommes, hein, et que c'était officiel, c'était accepté assez largement d'ailleurs par les syndicats. La conception du fait que le salaire féminin n'était qu'un salaire d'appoint était quand même très ancrée, hein, dans les représentations de l'ensemble des acteurs à l'époque. Ce qui va se passer pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, c'est l'aboutissement d'un effort législatif. Et donc, c'est une réglementation qui est très intéressante parce que, d'une part, elle rapproche ces couturières des grands magasins pour lesquels elle travaille. Alors, elle travaille pour les grands magasins, les maisons de couture, mais en grande partie pour les grands magasins dans les rayons confection. Et ces couturières vont être rapprochées des grands magasins qui vont être tenus de tenir des registres de ces couturières. Donc, on va pouvoir considérer comme le personnel, comme ou plus ou moins rattaché au personnel de ces grands magasins. Donc ça, c'est un premier point. Et le second point, c'est la rationalisation du revenu de ces couturières en arrivant à passer d'un revenu à la pièce, donc qui nous renvoie au louage d'ouvrage du 19e siècle, à un revenu au temps, à partir du constat d'un revenu quotidien moyen, en leur garantissant un revenu minimum qui va être établi par une commission, alors soit par un conseil du travail lorsqu'il y en a, soit par des commissions mixtes paritaires par la suite. Et donc, on va avoir là une manière de définir des salaires minima. Il ne faut pas oublier les femmes dans l'histoire sociale et dans les évolutions qui l'accompagnent. La midinette a été un temps l'avenir du mouvement ouvrier. Ces midinettes qui ont été portées un temps par les catholiques sociaux et un temps par les communistes et la CGTU. Donc une situation forte. On a une évolution pour ces couturières qui est tout à fait remarquable, avec une mobilisation de ces couturières qui défilent dans les rues, font des manifestations. Il y en a eu en 1910, il y en a une en 1917, il y en aura dans les années 30. Cette loi de 1915 va aboutir en 1917 sur la création d'une semaine anglaise, c'est-à-dire d'un chômage du samedi après-midi qui soit indemnisé, hein, dans la mesure où le travail a été ramené sur une base temporelle. Ces minima de salaire étaient conçus comme des pis-aller en attendant que les conventions collectives prennent le relais. C'était vraiment dans des secteurs où les travailleurs notamment n'étaient pas suffisamment organisés, où les patronats lui-même n'étaient pas suffisamment organisés. Mais dans la conception anglaise, on concevait vraiment ces trade bonds comme des instruments transitoires en fait. Hein, et ensuite, c'était vraiment à la convention collective et à la négociation collective de fixer des minima. Les formes de salaire plus modernes, je dirais, sont apparues aux États-Unis, à cette fois aussi, dès 1912 dans le Massachusetts, dans plusieurs États. Donc là aussi, c'était des minima de salaire, alors sous des formes assez différentes, mais qui ne s'appliquaient pas forcément qu'à certaines industries. Et ce qui était intéressant dans le cas américain, c'est que ça ne s'appliquait qu'aux femmes, en fait. Hein, les hommes n'étaient pas concernés. Pourquoi ? Parce que les femmes, à cette époque, n'avaient pas le droit de vote, et donc c'était des mineurs en termes civiques. Et les hommes, eux, étant des majeurs en termes civiques, étaient soumis à un amendement de la Constitution américaine qui protège la liberté contractuelle. Or, les salaires minima étaient conçus comme contraires à la liberté contractuelle. Il
est assez notable que lorsque les chaînes se développent dans les années 30, dans les productions d'organes mécaniques, en particulier l'assemblage des composants mécaniques, qui sont des sous-ensembles plus petits, c'est majoritairement des femmes. Les chaînes de montage de véhicules, ce sont des hommes, surtout. Mais les photos des années 30 sur les chaînes d'assemblage, de boîtes de vitesse, dans une moindre mesure sur les moteurs, ou de dynamo, parce que ce sont des femmes. Si on monte une chaîne d'assemblage de véhicules, les pièces à manipuler sont plus lourdes, les femmes sont plutôt alors à ce moment-là dans les postes de finition, d'habillage de l'intérieur des véhicules. Mais il y en a. Et en 36, les femmes sont payées moins que les hommes, y compris après les accords nationaux et les conventions collectives de 36. En 36, il y a environ 37 000 salariés. Il y a en proportion plus de femmes que dans les années ultérieures à la guerre, en particulier parmi les ouvrières. Les vraies grilles, c'est quand même 36. Les premières grilles, c'est 36. Parce que il y a la première loi sur les conventions collectives, c'est 1919, mais bon, ça ne va pas être terrible. Alors avant, il peut y avoir, dans des entreprises privées qui ont quand même quelque chose qui tire sur le public, par exemple dans les compagnies de chemin de fer, il y a des grades aussi. Dans les mines aussi d'ailleurs, il y a une classification, sauf que cette classification, elle n'est pas acquise. L'abatteur qui est au sommet de la rémunération, je mets de côté l'encadrement, les porions, à partir de 40 ans, quand il ne peut plus abattre son charbon, ou parce qu'il est pris par la silicose, bah, il va remonter en surface. Et il va travailler au tri du charbon. Là, c'est pas la même paye. Donc, il n'est pas garanti. Pendant la crise des années 30, il y a une nette diminution du nombre de conventions collectives conclues. Le rapport Larocque de 1934 au Conseil national économique arrive à la conclusion que seulement 7% de la population active est couverte par une convention collective. Et dans les secteurs où la dynamique conventionnelle avait survécu à la guerre et s'était développée pendant toutes les années 20, vraiment, la crise économique, le chômage, etc., marque un coup d'arrêt. Et dans beaucoup de secteurs, en fait, tout au long des années 30, la dynamique de négociation collective s'étiole. Et elle est vraiment relancée avec les grèves et la loi du 24 juin 36 qui fournit un cadre juridique et légal. Alors, les conventions collectives de branche représentent un acquis majeur pour le salariat. En matière salariale, elles vont fixer des barèmes de salaire minima. Elles vont fixer des primes et des indemnités diverses, ou encore des pourcentages de majoration des heures supplémentaires. Donc elles généralisent à l'ensemble du salariat des avantages que les ouvriers de certains secteurs seulement avaient réussi à obtenir. Pour ce qui concerne les grèves de 36 à Renault, elle succède à une période où les ouvriers de Renault, les syndicats et les partis politiques, étant entendu que le principal ayant le souci de la classe ouvrière était le parti communiste, sont soumis à une répression féroce de la part de la direction de l'entreprise. Louis Renault a la réputation d'un seigneur et le mot est utilisé aussi bien avec S-E-I que S-A-I dans la dénonciation de son rôle. Donc, il y a environ 1% de syndiqués dans les années 30 à Renault, et il y a quelques dizaines de militants du Parti communiste qui sont sans cesse menacés de licenciement. Comme les postes ouvriers les plus stables sont ceux des ouvriers professionnels, il est plus implanté parmi les ouvriers professionnels que parmi les ouvriers précaires, que sont les manœuvres ou les ouvriers spécialisés. Donc en 36, la grève commence fin mai. À Billancourt, ce n'est pas la première usine de Boulogne qui se met en grève, ce sont les usines Farman qui finissent par inciter les ouvriers de Renault à débrayer. Donc le débrayage est assez spontané, assez peu organisé, si bien que quelques jours après, un accord se fait entre la direction et la CGT sur un protocole qui conduit à la reprise du travail, 3 jours ou 4 jours après. Début juin, la CGT et le Parti communiste reprennent le mouvement en l'ayant préparé et organisé. Et à ce moment-là, la grève de Renault, Billancourt, devient un enjeu majeur pour le Parti communiste et la CGT, au point qu'elle mobilise pour l'organisation de la grève des syndicalistes et des militants des autres usines de Boulogne. Des dirigeants nationaux du Parti communiste viennent régulièrement à l'usine.
La grève, dans son déroulement et dans son organisation, est plus complexe que les images de fêtes populaires que l'on a en mémoire. C'est une grève sous contrôle strict. Les ouvriers n'ont pas la liberté de sortir de l'usine pendant la journée, doivent avoir des bons de sortie pour cela, et n'ont pas le droit de circuler dans d'autres ateliers que le leur. Cela permet au parti communiste de faire un travail au plus près des travailleurs par atelier pour développer sa propagande et son activité, et y compris de contrôler ceux qui pourraient être des concurrents parmi les ouvriers pour, à l'époque, certains groupes trotskistes. Donc la grève se termine après les accords de Matignon. Les dispositions nationales sont appliquées. Pour ce qui concerne le résultat de la grève en termes de salaire, le salaire moyen augmente à peu près de 15%, salaire mensuel. Les salaires horaires, compte tenu de l'application de la réduction du temps de travail à revenu mensuel constant, le taux horaire augmente de 30%. Et par suite des salaires planchers imposés par les accords nationaux, certains salariés qui étaient au plus bas de l'échelle salariale voient leur salaire doubler. En 1937, le Parti communiste déclare 7000 adhérents à Renault-Biancourt et la CGT un nombre bien plus important, évidemment. La convention collective de la métallurgie parisienne sert de modèle. D'abord, c'est la première convention collective en tant que telle qui est signée. Elle est signée le 12 juin 1936. Et elle est signée par les organisations de la métallurgie, qui sont des organisations syndicales puissantes qui définissent la politique sociale du patronat à l'époque. Et le ministère du Travail envoie aux inspecteurs du travail la convention collective de la métallurgie en leur demandant de s'en inspirer. Donc elle sert vraiment de convention pilote pour les négociations dans d'autres secteurs. Et c'est d'autant plus important qu'il faut rappeler qu'en 1936, dans beaucoup de secteurs, les syndicats sont extrêmement récents. Certains militants n'ont jamais négocié de convention collective. Certains syndicats sont créés juste au moment des grèves et ils sont relativement désemparés, voire paniqués, devant la tâche qui leur est confiée d'élaborer des conventions collectives de branche. Donc, de ce fait, ils s'appuient d'abord sur la médiation et sur l'expertise des inspecteurs du travail. Et puis, ils s'appuient sur des conventions modèles, comme celle de la métallurgie parisienne. Il faut se souvenir qu'en 1936, le contrat collectif des couturières des maisons parisiennes est signé le 12 juin 1936, donc dans la période de grande grève, en même temps que le contrat collectif, la convention collective de la métallurgie parisienne. Donc on a là un secteur qui va être particulièrement vigoureux en termes de mobilisation collective pour sortir de cette entre-deux, entre l'artisanat et un travail plus régulier, et aller véritablement vers un salariat qui permette de bénéficier à la fois d'horaires, d'avantages sociaux, en termes par exemple d'assurance maladie à partir des lois de 1928-1930-1935, ou encore qui permettent de bénéficier en 1936 des congés payés. Ces couturières vont devenir le fer de lance du mouvement ouvrier, quoique en étant un peu occulté par la figure du métallurgiste. La convention collective de la couture, quand on parle de ça, généralement on se réfère à la convention collective de la couture parisienne. Donc c'est un secteur particulier parce que ça regroupe quand même beaucoup de maisons de haute couture. Voilà. Donc c'est un secteur où les patrons sont très attachés à la qualité du produit, parce que c'est la réputation du secteur, etc., qui est en jeu. Et ce sont des maisons qui emploient une main-d'œuvre très qualifiée, et c'est un type de convention où la qualification tend à être reconnue comme un patrimoine de l'ouvrière. C'est-à-dire que l'accès à la qualification est garanti à partir du moment où les ouvrières ont le CAP et où elles ont effectué un certain nombre de stages. Mais une fois qu'elles ont eu ça, elles sont considérées comme, par exemple, ouvrières première main. Et si elles changent de maison, alors elles gardent leur qualité de première main, par exemple. Un des enjeux des grilles de classification, et qui est important pour les ouvriers de l'époque, c'est la maîtrise laissée à l'employeur sur l'attribution de la qualification et donc du salaire.
Et là, les grilles instaurent des systèmes assez divers. Par exemple, dans les industries chimiques, la convention collective de la région parisienne définit trois grandes catégories avec des critères qui sont assez lâches. Et ensuite, dans chaque usine, le patron classe les emplois qui existent dans les catégories. Donc la marge de manœuvre de l'employeur est totale. Et on peut en déduire que selon telle ou telle usine, même si vous faites a priori la même tâche, vous ne serez pas forcément classé de la même façon. Un des enjeux autour de la définition de ces grilles de classification, c'est pas forcément que le niveau du salaire, c'est aussi la possibilité laissée au patron ou non de verrouiller l'accès à la qualification, l'attribution d'une qualification, etc., etc. Jusqu'aux années 60-70, la majorité des contremaîtres, des chefs d'équipe, y compris dans l'industrie textile et dans les ateliers de fabrication, donc des tissus, sont des hommes. Il y a une exception, ce sont en fait les ateliers de confection, où vous avez les premières mains, comme on les appelle, surtout dans les ateliers de la haute couture, où on trouve des femmes dans la hiérarchie de ces ateliers avec des fonctions reconnues, des coordinations, d'encadrement et des responsabilités aussi. On peut citer l'exemple de Nina Ricci, qui est une jeune italienne, fille d'immigrés italiens, qui s'installe à Monaco avec sa famille et qui commence à travailler très jeune, à 12-13 ans, et qui entame ensuite une carrière à Paris dans les ateliers de couture qui l'amène à devenir d'abord première main dans des ateliers, ensuite titulaire associée de son employeur et pour finir donc comme elle-même comme entrepreneuse. En 1936 est instaurée ce qu'on appelle une procédure d'extension qui permet en fait au ministère du Travail d'étendre une convention conclue pour un secteur d'activité à l'ensemble des salariés du secteur d'activité, y compris à ceux qui ne sont pas syndiqués. La loi fixe certaines conditions pour que cette procédure d'extension soit valable, notamment que la convention collective ait été conclue par les organisations syndicales les plus représentatives. De fait, du coup, en 1936, les syndicats, aussi bien patronaux qu'ouvriers, sont promus au rang d'acteurs privilégiés des négociations collectives. Ça veut dire que leur rôle n'est plus simplement de représenter le groupe ouvrier ou le groupe patronal, mais bien aussi de réglementer les conditions de travail d'ensemble de salariés assez vastes. Et donc, ils ont un vrai rôle, ils acquièrent un vrai rôle, un véritable rôle dans l'écriture du droit. Dans les conventions collectives du Front Populaire, il y a encore parfois deux barèmes, hommes et femmes. De toute façon, à poste égal, les salaires ne sont pas les mêmes. Ensuite, souvent, les femmes n'ont pas accès aux postes les plus qualifiés. C'est-à-dire les postes qui se situent en haut de la hiérarchie sont exclusivement masculins. Néanmoins, pour les femmes, malgré le maintien de ces discriminations, ça représente un acquis essentiel, ne serait-ce que parce que les conventions collectives permettent de rendre visible et de reconnaître la diversité des tâches et des métiers qu'elles occupent ou qu'elles effectuent. Souvent, quand on trouve des statistiques de salaire avant le Front Populaire ou quand on trouve des textes conventionnels aussi qui datent des années 30, on a pour les femmes deux catégories, moins de 18 ans et plus de 18 ans. Voilà. Ces deux catégories peuvent encore subsister dans certaines conventions collectives. Et dans beaucoup de conventions collectives, on trouve du coup plus de catégories, on trouve des appellations de métiers, etc., etc. Par exemple, dans la métallurgie lyonnaise, quand on consulte les statistiques qui sont élaborées par le syndicat patronal, on se rend compte qu'il existe deux catégories de femmes, hein, les femmes de moins de 18 ans, les femmes de plus de 18 ans. Et avec la convention collective conclue en 1936, eh bien, il existe des femmes OS, elles sont hiérarchisées désormais en fonction de leur qualification ou de leur poste. Il y a trois grandes catégories, donc ouvriers spécialisés, ouvriers professionnels et manœuvres, qui sont définies. Et ensuite, il y a des additifs, où on a un catalogue des métiers qui existent. Ça veut dire que chaque métier est rangé par la convention collective dans les trois catégories. Mais pour accéder à la qualité d'ouvrier professionnel, il faut passer un essai
un essai professionnel dont les modalités sont définies par le patron. Il y a une insistance très forte du syndicat patronal pour maintenir cet essai professionnel parce que ça permet au patron de verrouiller en fait l'accès à la qualification. Les grilles de classification ne fonctionnent pas forcément de la même façon dans tous les secteurs. On se rend compte qu'un des enjeux, c'est pas seulement de définir le niveau des salaires, c'est de définir le contrôle du patron sur l'accès à la qualification. Pour les ouvriers et les ouvrières de plus de 18 ans, les salaires sont définis en fonction du poste occupé ou de la qualification du travailleur. Pour les travailleurs et travailleuses, ouvriers et ouvrières de moins de 18 ans, il existe deux possibilités, soit ils sont reconnus et rémunérés comme apprentis, et s'ils ne le sont pas, c'est-à-dire s'ils sont jeunes gens, ce qui s'appelle jeunes gens employés à la production, alors ils sont rémunérés simplement suivant l'âge. Ce qui veut dire que lorsqu'on a moins de 18 ans et qu'on est employé à la production, ni le poste occupé, ni l'ancienneté ou l'expérience ne sont a priori pris en compte pour définir le salaire minima. Cette stratification est généralisée donc avec 1936, avec les conventions collectives conclues sous le Front populaire. Dans les années 30, le temps de cycle d'une chaîne est de l'ordre de la dizaine de minutes, alors que dans les années 60-70, le temps de cycle d'une chaîne est de l'ordre de la minute. C'est-à-dire que c'est pas du tout la même organisation du travail, la même division du travail que ce qu'on connaîtra après lorsqu'on parlera de chaîne. C'est qu'au début des années 30 que le mouvement est entraîné par des moyens mécaniques, soit des convoyeurs, soit pour les chaînes en mécanique où on assemble des organes ou des petites dimensions par des tapis. L'organisation du chronométrage est assez aussi rudimentaire, c'est-à-dire que les conditions dans lesquelles le travail est mesuré n'est pas très rigoureux et pas très reproductible. En fait, on confie à quelqu'un qui est associé au chronométrage la fabrication d'un lot de pièces identiques et on mesure le temps moyen pour produire la pièce en tenant compte des loupés et des pièces défectueuses qui sont faites. Donc c'est très peu rigoureux, et cette allocation à un ouvrier d'un temps de travail pour un lot de pièces sera encore pratiquée dans la fin des années 40. Ça s'éteindra à ce moment-là, mais je me souviens d'avoir rencontré un ouvrier qui m'avait dit « j'avais tant de pièces à faire, c'était le temps qui m'était donné était assez lâche, je faisais facilement, parce que l'ouvrier, lui, avait la maîtrise de son geste, des conditions dans lesquelles la machine pouvait produire ou pas, ce que des gens extérieurs à la production ignoraient. C'est-à-dire qu'il y avait un savoir-faire, un savoir ouvrier que ne maîtrisait pas le bureau d'études, qui permettait à l'ouvrier de gagner du temps sur le temps qui lui était proposé. Et ça, on le retrouvera jusqu'aux années 70. Dans le passage de la rémunération au temps, qui supprime tous les modes de rémunération qui poussent l'ouvrier individuel à produire plus, qui est en fait que, avec le développement de la production automobile en grande série, ce qui compte est moins la performance individuelle que la performance collective. La performance collective, que l'on comprend assez bien lorsqu'il y a une chaîne qui est physiquement organisée, c'est-à-dire où la voiture passe d'un poste à l'autre à un rythme régulier, donc il faut que chacun fasse sa tâche dans le temps qui lui est imparti. Éventuellement, s'il va plus vite, il fait ce qu'on appelle remonter sur la chaîne, c'est-à-dire au lieu de faire le temps de sa voiture, il a pu gagner du temps en faire sur les voitures qui précèdent, mais ça a des limites parce que ça désorganise le travail lui-même, de ses collègues. Donc en fait, généralement, le temps gagné permet de prendre des pauses personnelles ou d'aller fumer. Voilà. Donc, l'organisation du travail pousse à rendre inutile et même contre-productif la recherche de performances individuelles. Il est clair que la subordination, comme expression, elle apparaît au moment de ce coup de force de Glaçon, au tournant des années 1880-1890, où il lie le salariat, le statut salarial, à un état de subordination par rapport à l'employeur, c'est-à-dire
c'est l'employeur qui donne des ordres, qui éventuellement sanctionne, c'est lui qui décide quel type de travail vous devez effectuer, et c'est à partir de là qu'on rattache ou pas quelqu'un au statut salarial. Alors, cette présomption de salariat, c'est une vieille question juridique et qui a traversé le XXe siècle à partir du moment où a existé un droit social protecteur des salariés en contrepartie de la subordination qu'ils devaient à leur employeur. Alors avant, est-ce qu'on est également dans des rapports de subordination ? Ce que l'on constate, c'est que quand les ouvriers ont la parole, quand ils la prennent, ils réclament la suppression du marchandage. Ils réclament même le paiement non plus à la tâche, mais le paiement au temps. En même temps, parce que la situation est toujours complexe, il y a ce que l'on peut espérer, il y a ce que l'on revendique, et il y a le réel dans lequel on est, avec lequel il faut composer. Les ouvriers les plus qualifiés, ceux qui sont en position de monnayer leur savoir-faire, de marchander leurs tâches, ils disposent d'une autonomie à laquelle ils tiennent et qu'ils font payer à l'employeur. Mais l'employeur ne disparaît pas pour autant. C'est pas parce que l'ouvrier qualifié s'engage à réaliser tel travail et que pour réaliser tel travail, il va embaucher. C'est pas pour cette raison que la présence de l'employeur disparaît. Mais ça ne veut pas dire que ces ouvriers qui s'y connaissent ne réclament pas leur émancipation de la subordination dans laquelle ils se trouvent néanmoins pour trouver du travail. Ils peuvent bien arriver avec leur pioche, avec leur pelle dans le bâtiment, la place de grève, place de l'hôtel de ville, négocier avec des architectes, avec des propriétaires pour des travaux de bâtiment. Il n'empêche, au final, c'est quand même l'architecte ou le propriétaire qui conclut avec eux, qui définit le type de travail qu'il faut réaliser et qui, si le niveau de la rémunération demandée est trop élevé, préfère abandonner. Alors, ça n'est pas une subordination au sens moderne, celle qui sera définie à partir de 1890, mais c'est néanmoins une dépendance et c'est une exploitation. Et quand les ouvriers prennent la parole en 1848, ils réclament pour cette raison-là l'abandon du marchandage. Et lorsqu'ils se prennent à rêver à une société différente, ils préfèrent ce qu'ils appellent la commandite ouvrière, qui court-circuite l'intermédiaire commerçant, négociant, propriétaire ou capitaliste, quel que soit le nom qu'on lui dit, et qui traite directement sans passer par ce qu'il nomme un parasite. Les coopératives. Mais qu'est-ce que c'est que ça, les coopératives? C'est dérisoire, mon Dieu, c'est de la foutaise. C'est la pagaille, je te jure. Tout le monde dirige. Le color d'affiche donne son avis. Oh, mais non, ce qu'il faut, c'est une autorité, c'est quelqu'un qui dirige, un homme, moi. Et puis si ça me plaît, je foutrais tout le monde à la porte. Vous n'avez fait que des saloperies ici. Il n'y a que depuis que vous êtes parti que ça marche. Vous voulez revenir pour te foutre par terre? C'est bien dommage que je sois pas mort, hein. Thank you.